Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Raft. Let's go! Bon les amis, depuis la dernière vidéo, on a farmé quelques petits trucs. On a du coup quelques bombes de guérison. Voilà, du coup on va voir. On n'a pas encore testé, on sait pas trop ce que ça donne. Là de côté aussi, c'est là. Voilà. On a fait la petite armure, mais avec la Dura, honnêtement, je sais pas si je l'équipe de suite ou si on attend vraiment un moment compliqué pour l'équiper. Je me tâte à la laisser là pour le moment, mais du coup, on pourra être un peu plus tanky, donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, les épouvantails ont été remis ici. D'ailleurs, faudra que je récupère, là, tiens. Quand on arrivait, on a dit qu'on avait quand même pas laissé les récoltes à ce niveau-là. Tac, tac. Voilà, on va au moins récupérer ça. Et surtout, deux choses intéressantes sur lesquelles on s'était laissé la dernière fois. À savoir, là-haut, déjà, regarde, viens voir du coup, Kira. Je te suis, moi. Ça, je te montre aussi en même temps le fonctionnement. Ça, c'est les commandes moteur. Ce qui veut dire qu'en gros, si tu appuies ici, là derrière, okay. Ça allume les 4 moteurs d'un coup. Oh, tu rappuies, ça stoppe les 4 moteurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais. Alors. On va le tester là-haut, attends, parce que là, tu vois, il y a un logo d'encre en bas, donc pour moi, ça, c'est pour baisser. Ah, mais en fait, ok, j'ai compris. En gros, tu gères tout ce qui est en bas, mais depuis là-haut. C'est ça, sauf qu'en fait, le logo d'encre, il y est, mais il marche pas. Alors, c'est peut-être pas pour cette encre, je sais pas s'il y aura autre chose plus tard ou quoi. En tout cas, cette encre, ça fonctionne pas, mais a priori, c'est un logo d'encre qui est en bas, donc voilà. Mais ça, ça marche pas, mais sinon, voilà, tous les moteurs sont allumés. Et ça, c'est changer le sens. Et ça, tu changes le sens. Tu vois, donc là, t'avances, l'autre côté, tu recules. Et là, du coup, bah, le dôme est de l'autre côté, donc on va remettre pour aller vers le dôme. Et chargeur de batterie, il est ici, en bas. Donc il faut l'alimenter aussi avec du fuel. Et tu mets ta batterie dessus, c'est la recharge. Voilà. Ok. Voilà un petit peu pour le délire. Et sachant qu'on arrive, bah, forcément, comme tout le monde s'y attendait, au niveau du dôme. Attends, il est où on a dit là-bas. Ouais, il faut quand même qu'on tourne un petit peu. Pas trop déconner non plus. Mais voilà. C'est vraiment stylé. L'inverse, hein, ça n'a pas changé. Voilà, donc on va arriver au niveau du dôme et c'est donc encore une fois, je le rappelle, la dernière zone que pour ma part j'avais fait, même s'il y avait une petite mise à jour qui a rajouté du coup, je crois, une île ou peut-être deux, je sais plus trop, ce sera la surprise pour, avant la mise à jour de la 1.0, quoi. Il y avait déjà eu une petite île que je n'avais pas vue. Mais attends, c'est clairement pas une île comme on a l'habitude de voir. Ouais, alors ça va être, comme je t'ai dit, ça va être long à faire par contre. D'accord. Mais intéressant, il y a beaucoup de choses, tu vas voir, c'est en plusieurs parties et tout encore, c'est sympa. Ça fait tellement futuriste. Je vais reprendre les ciseilles pour lui. Ouais, tu vas voir, ça va être cool. Ok, stop. Non, non, reste en tout droit pour pouvoir partir. Remets toi à droite. Et là, on va couper les moteurs. Je te laisse couper les moteurs, je mets l'encre. Ok. Vas-y, coupe les moteurs d'en haut. Maintenant? Ouais. Parfait. Super. Trop bien. Donc, petite save comme d'hab avant d'y aller. Oui, et ben voilà, j'en fais toujours deux parce que toujours aussi parano. Et puis let's go, on est parti. D'ailleurs il y a toujours les deux. Bah oui, il y a toujours les deux puisqu'on fait que les. Donc c'est parti, on a une entrée ici, donc c'est l'entrée. Comment on monte déjà? Entrée sous l'eau. Et alors, là, je me tâte à essayer d'aller prendre quand même. Aïe. Une petite. Tu fais manger les fesses. Une petite lampe pour ici. Moi je vais aller me chercher une petite lampe quand même pour la vidéo, mais. Bah fais gaffe, il y a un truc qui bouffe, hein. Ah, mais c'est le requin. Oui, c'est le requin. Mais moi je pensais qu'il venait pas du coup. Eh, hey, il nous a suivis, eh. Oh, bah c'est abusé. Tricheur. T'es prête? Oui. Let's go, hein. Oh. Oh, ça fait tellement alien. Allez, on va essayer d'avancer assez vite parce que mes batteries vont vite s'user, on connaît. La porte est verrouillée de l'autre côté. Allez hop. Allez, bah déjà c'est pas par ici. Allez, on y va. C'est parti. La zone est grande, tu nous laisses speedrun. Ok. Allez, c'est parti. Tu peux le faire. Attends, mais d'ailleurs, on dit tu... Oui. Oh putain, y a les rats qui sont de retour. Prends ta machette au pire. Gauche, gauche. Gauche, gauche, gauche. Comme ça, on m'a dit dans un labyrinthe, normalement, il faut toujours longer à gauche. C'est vrai? Ah, par contre... Ah mais c'est, je sais pas, t'as jamais entendu ce truc de toujours longer un mur, t'sais, dans un mur. C'est vrai, t'as raison, ça me dit quelque chose cette histoire. Ok, est-ce qu'on prend la barbaque ou pas? Vas-y, vas-y quand même. Bon, je l'ai pris ça. Bien sûr. Je casse, y a rien. Par contre, le fait d'être redescendu directement, moi ça me...
On n'a pas fait l'étage au-dessus du coup. Non, non, je sais pas. Non, non, on continue. Maintenant, on y est, okay. On continue. On va pas faire que ça de toute façon. Cafétéria, mais... là, on va direction cafétéria. Mais juste, je me dis, c'est vrai qu'il y avait un autre étage, donc on est directement allé tout en bas. Est-ce que. Meilleur bail ou pas, je ne sais pas. Oh vache. On verra bien de toute manière. Non, on a pas longé à gauche du tout. Non, mais attends, non, non. Parce que là, on a fait n'importe quoi par contre. T'as dit full à gauche et là, on est parti à droite. Ah ouais, mais c'est parce qu'en fait, je me suis dit, c'est peut-être une petite salle, ça. Est-ce qu'il faudrait pas continuer full à gauche d'abord et ensuite on... Non, mais c'est un film d'horreur, ce truc. Le petit bruit, le petit... Ouf. Ouais. Oh, là, y a de quoi... Une note. En 2-3 trucs. To their limits. We're trying to outrun a fleet of rafts or something. It's going to overheat the reactor. I sent a message up the tower. Allez, la cuisine. Tully doesn't care. Hey, j'ai récupéré une pièce de générateur. Une pièce de générateur, tu dis? Ouais, à l'instant. Ok. Alors, on passe par où là? Attends, encore un petit rat là-bas? Attends, mais il est plus petit, non? Les autres, là. Ah ouais, d'accord, c'est un bébé, on vient de tuer un bébé. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire. Mais ouais, qu'est-ce qu'on vient de faire? Y'a rien d'autre du coup là-bas? Ah si, y'a encore un chemin. Non, là. J'ai pas été là-bas justement. Ah, mais est-ce que ça rejoint le chemin de gauche? Et c'est pour ça, je ne sais pas. Non, tue-le lui, je regarde. Il y a une autre pièce de générateur ici. Ouais, ça rejoint et... ici, ça rejoint ici, d'accord. Ok. Ok, nice. Il y a une autre pièce de générateur, mais c'est fermé si jamais. Attends, full à gauche du coup, moi je vais prendre celui-là ici, ce chemin. Après, on va sûrement se rejoindre hein, là. Oh, moi je te suis, hein. J'ai pas ah non, bah elle est là ta pièce, je l'ai. Ah, trop bien. Bon bah du coup full à gauche, ça a bien marché. Ta strat est bonne pour l'instant. Ah c'est pas mal. Est-ce qu'on retourne à la cafétéria? Il y a un spot qu'on n'a pas fait. Ah bon? Bah je crois. Non tout est fait. En fait hein. Moi j'ai été dans la cuisine directement. Ouais. Attends. Et là c'est le spot que t'as pas fait, voilà, par là où tu passes. Ah c'est là que j'ai pas fait? Bah je pense ouais. Mais t'es la cuisine à gauche. Ah oui. Non regarde, il y a deux là. Ah il y a vraiment autre chose? Ok. Il y a une autre entrée. Où ça? Mais là, générateur, machin. Attends, mais je sais pas où t'es, moi. Ah là, coucou. Dans la cuisine. Mais ça, là, c'est vraiment fait... bien. Ah merde, ça y est, j'ai on y rentrait de... par là. Toi, t'es allé à la cuisine, moi, je suis parti à gauche et on s'est rejoint en fait. Ah, ouais, non, mais ça devient compliqué pour moi. Là, c'est toi qui prends le lead. Hein. Ah, mais non, mais si c'est moi qui dois prendre le lead sur de l'orientation, on est mal, hein. Moi, je te le dis. Hein. Mais justement, entre nous deux, je pense qu'on est moins mal avec toi. Non, mais attends, parce que là-bas, c'est la grille, du coup, qui est fermée. On a fait la cafétéria. En vrai, si je me focus, ça va. Genre, mais faut pas que je suive bêtement, du coup. Ok. Ok, donc là c'est bon. C'est check. Ok, donc là c'est verrouillé. De l'autre là, côté. C'est longtemps, en fait. Donc il va y avoir différents passages entre les étages et tout. Ok, on les synchro. Et donc là-bas en fait on doit revenir, je pense, sur nos pas. Ok. Donc là c'est le storage. Ça je m'en souviens par contre. Donc, je vais te laisser regarder un peu. Ouais, ça me parle ce passage. Forcément c'est un truc assez. Bah déjà c'est un des derniers trucs que j'ai fait sur le jeu. Et c'est un truc. C'est un truc à faire que. Donc forcément. Ok. Vas-y. Je te laisse donc regarder un peu. Enfin, je me souviens pas exactement comment il faut faire, oui, mais il y a des choses à récupérer. Je me souviens du concept. Après, ah oui, bah peut-être qu'il faut mettre toutes les pièces de générateur. Ok, on a toutes les pièces de générateur, je t'ai ralimenté ici. Ok. Donc le générateur fonctionne, donc tu vas pouvoir. Moi, j'aime bien appuyer sur des boutons, j'aime bien. Moi. Voilà, bah tu vas pouvoir t'amuser avec les boutons. Oh, oh non, c'est pas ce que je pense. Oh, alors attends, j'aime bien jouer avec les boutons, mais... Parce que attends, le but c'est d'ouvrir la salle qui est là en fait. Ah ouais, d'accord, ok, c'est de se faire une entrée. Mmh. Bon, sachant qu'en fait, tu t'as vu, t'as les logos au-dessus pour savoir le chemin que ça fait. Ah oui, là il met pas n'importe comment, tu peux pas mettre juste des cubes et des cubes. J'ai du mal, moi, j'ai des problèmes de... Non mais attends, je sais pas. Entre le cerveau et les... Comment ça marche là, ça? Ok, presse. Moi en fait je peux pas m'empêcher de me déplacer inconsciemment alors. Bêtement. Alors que t'as vu toi aussi tu te déplaces. Ça je me déplace. Bah tu déplaces ton perso des fois. Vers la gauche et la droite. Ah ouais? Ouais des moments. Par contre. Bah c'est que t'enfonces. Ah non tu peux pas rotate. On va aller faire à droite déjà je pense. Mais c'est horrible. Ouais c'est un peu chiant hein. Ah moi je déteste les trucs comme ça. Hein. Là Raft, vous avez merdé. Hein. Non, en vrai c'est stylé, mais... C'est stylé, mais ça prend 8 ans en fait.
Non, je pense qu'il y a moyen que ça aille quand même. Non, parce qu'en fait, il va me falloir le trou là-bas. Ça va être chiant. Hein. En fait, on peut pas les réorienter, ouais, donc. Non, tu peux pas. Ça c'est un peu chiant. C'est un peu chiant, ça veut dire que si je peux pas les réorienter, tac, 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 je vois un chemin possible. Mais du coup la croix, j'aurais dû la remonter alors. Genre ça, faut que je mette là. Et ouais, mais du coup, là, ça va tout bouger. Je suis au-dessus du truc, là. Normalement, je suis pas très loin, je pense que... Je l'ai, c'est juste que j'ai dû sortir une pièce un peu loin. Et là, normalement, je vais pouvoir tout renforcer. Normalement, je l'ai, là. Quoi? Ah oui, c'est bon! Bien joué! Ah oui, bah oui, j'ai même pas besoin de t'en avancer. Bien joué. Ah, il y a un plan pour un tuyau à eau. Ah bah voilà. En vrai, ça va, j'ai pas mis trop de temps, mais... Ça m'a demandé de faire un petit tour, quoi. Je ne sais pas ce que Captain Tully dit. Je pourrais vraiment utiliser toi ici, Hannah. Là, t'as un plan si jamais je l'ai pas touché. Ça va. Ouais. Mais tu peux les prendre, hein, les plans, tu sais. C'est quoi, tuyau à eau? Ah bah c'est des canalisations pour l'eau, parce qu'on avait que pour le carburant nous jusqu'à présent. Ah mais attends, est-ce qu'avec ça, ça veut dire on va pouvoir automatiser notre arrosoir du coup automatique sans avoir à remplir... Ah mais non, parce que ce sera pas de l'eau pure, ce sera pas de l'eau douce. Attends là, c'est quoi le nom de là vers où on se dirige? Je sais plus pourquoi ça va servir du coup. Ok. Ah, je sais plus à quoi ça va servir ça. Donc là on peut remonter. Et là on peut remonter. On peut que remonter. Wow. Ah, ça a ouvert la vie. Ah, okay. Cours. Oh là là. Oh non, j'espère qu'il n'y a pas un requin. On va peut-être prendre notre équipement de plongée. Ah, oh, je suis bloqué. Ah, c'est bon. Ah putain. Ah mais non. On va où? Je sais pas. Je suis en panique. Bah ouais, mais un stockage area... Ah mais attends, il y avait pas un endroit où on pouvait monter plus haut Ah bah si, là-bas, regarde à gauche. Storage arrière, on peut monter maintenant à plantation. T'as vu? Hop. Ouais. Comment j'ai flippé. Alors je me souvenais qu'on allait pas mourir noyé, mais par contre, hein, je savais pas du tout où il fallait aller. On a la chance d'être tombé dessus. Tu m'étonnes. Je sais pas s'il faut aller en face ou... Attends, bah, je vais voir en face, vite fait. Plantation, vas-y. Ah, ça nous fait remonter de suite, est-ce que... Ah, mais moi, là où je suis, ok. T'as un truc, toi, en bas ou pas, là-bas? De l'autre côté où on a pas été? Direction la cafétéria, en fait. Loading B aussi. On peut aller à Loading B. Attends, je reviens avec toi et ensuite on verra en haut. Peut-être pour plus tard, moi, vu que ça remonte, je suis pas sûr. Ouais, vas-y. Mais c'est toi, je pense que c'est toi le bon côté. Y a moyen, vu que ça remonte et tout, j'ai un genre de truc avec de l'électricité, donc je pense que c'est possible. Ouais, vas-y, regarde. Je suis avec toi, hein. T'es là? Oui, je suis là, j'avais juste un souci. Ah non, mais j'avoue, là, ça refait le tour. T'as vu, on est d'accord. Je pense, ouais. Ouais, donc... Let's go, hein. Ouais, non, j'irai plutôt de mon côté, moi, je pense, hein. Ouais, c'est pour ça. Tu viens? Let's go. Ouais. Ok. On verra, on sait qu'il y a potentiellement un truc ici aussi, si on n'a pas vu, mais... Ouais. Mais, ah oui, ok.
pense pas que ce soit là. Vas-y, hein, tu peux monter l'échelle. Hein. Ok. Il va y avoir une dinguerie pour que tu me dises ça. Ah ouais. Il y a un truc de fou. Et monte. Oh, la peur du coup s'arrête. Attends, je vais faire une save. C'est électrique. Ouais, il y a des anguilles dedans. Tu vois, elle te saute dessus. Oh et tout. Putain. Non, je rigole. Attends. Quoique. Ah, à la hache, là, on peut récupérer. On peut récupérer des bananes qu'on va pouvoir replanter chez nous. Oh. Mais attends, c'est quoi ça? Moi, j'ai des trucs là. Oh, des fraises. Des graines de fraises, du coup. Ah, récupère, hein. On récupère tout, de toute façon. Je peux pas, ça. Nécessite 3 rubans adhésifs pour réparer le truc électrique, là, où il y a un problème de voltage. Oh non, il va falloir trouver des trucs. J'ai un ruban adhésif, je viens d'attraper, là. Combien, tu m'as dit, il en faut 2? 3. 3? Toujours 3. Ouais. Hein. Ok, j'en ai 2 en face de moi, c'est bon. Ok. Attends, je vais manger. J'ai trouvé une omelette, je vais la manger. C'est bon, j'en ai 3. Attends, je reviens. J'essaye de choper les graines de banane. C'est en face là, tu vois c'est le truc? Ah, là-bas? Ah, non, ouais. Bravo. Oh là là, le... Bon, je pense que les graines de banane, c'est bon, hein. Ouais, mais bon, je sais pas, dans le doute. Au pire, ça fera toujours à manger, c'est sur la route. Security team still going patrols in their ridiculous golf carts trying to keep some semblance of order. J'ai graines de banane, j'en ai que 4. Je t'ai pété là où je suis. Nécessite 3 rubans adhésifs. C'est bon, on les a, et on reprend les anciens. Ah ouais. Sans déconner. Hein. T'as des rubans adhésifs vers toi? Non, bah non. La panique. Attends, mais c'est où que t'en as besoin là? Là. Contre le mur, là où je regarde. Ouais, mais il y a un passage en face, alors est-ce qu'on va pas les avoir en face? Peut-être, hein. Oh, il y a plein de planches là-bas par contre. Elles sont où? Voilà. On va pas les récup. J'ai fait me cramer. C'est là, surface access? Oui, c'est là. Hein. Bah, ouais, je pense. Oh, j'ai fait me buter. Je sais pas hein, ce que ça fait, ça se trouve, ça one-shot pas. Hein. Non, bah peut-être pas un one shot, mais je pense que tu prends des dégâts et t'es ralenti. Ouais, je pense. Vas-y, je re-sauvegarde derrière. Oh oui, on t'as enregistré. Non, par contre, j'avoue que niveau nourriture et tout. J'ai des bananes et tout si tu veux. Ouais, j'ai aussi des bananes. Hein. Bon, ce sont pour les manger. Ouais. J'avoue que la machette, oh par contre. J'attends. Casse très vite, hein. Attends, mais. Ouais, ah ouais, bah ouais. J'ai plus ma lumière, je suis désolé, j'avais pas eu. Ah bah. Ouais. De toute façon. Ah, nous y voilà. Bien. Voilà. Ouais, donc en fait, ah, ça me dit quelque oh chose. Il y a des robots. Ouais, attends. Est-ce qu'il n'y a pas moyen derrière d'ouvrir là les portes pour retirer le radeau? Oh. Voilà, déjà, ça nous permettra. Oh, reviens, vous, ouais, pour glisser. Et bah, tu sais quoi, il faudrait retrouver la porte où il y a le radeau pas loin. Ouais, comme ça, ça nous permet d'avoir un retour. Un retour radeau. Je vais refaire la save. Alors, je me souviens qu'il y avait. Non, mais tu sais quoi, c'est même pire que ça. Faut ramener le radeau là, je pense. Parce que du coup, juste en dessous, on sait qu'il y a un truc qu'il faut ouvrir. Tu sais, avec les 3 rubans adhésifs. Et je me souviens. En tout cas, ça me parle de ce truc du. On remonte et il y a toujours pas les rubans adhésifs. Donc, il doit falloir les trouver en ville, j'imagine. Donc. Ou alors, on les a loupés, mais je pense que c'est plutôt en ville. Donc. On va ramener le radeau là, comme ça on sait que c'est à cette entrée où il y a pas très loin un truc avec du ruban qu'on a laissé de côté. Je vais faire le tour du dos, mais si on voit le radeau, juste on ouvre la porte et on va à l'autre qui est ouvert. Sans devoir rentrer par l'intérieur, tu vois. On fait juste le tour comme ça. Oui, tout à fait. Oui, on fait le tour, mais il faut le ramener ici, quoi, après. Ouais, voilà. Vas-y, on fait le tour là. Je mangeais bien parce qu'il y a des robots. Ouais, attends, on va voir vite fait, je sais plus exactement. Il y a marqué help. Parce qu'il m'attaque, non, le help. Ah, super. Pas, je mets des coups de machette, j'ai pas confiance. Attends. Maintenir pour prendre carte d'accès. Oh, bien joué. Oh, on l'a juste. Et si on retape? Y'a plus rien? Ok. Ouais, donc on pourrait retaper.
Ok, bah on va retrouver le radeau. Bon, t'as vu un peu la ville, sympa, hein. C'est très stylé. Hein. Ça va être un bon truc à explorer encore, c'est pour ça que je sais que c'était grand. Je regarde s'il y a notre radeau pas loin. Ah, il est là! Il est ici! C'est vrai, il est déjà là? Ouais, il est là, le radeau. C'est incroyable. On était vrai. Donc en fait, on ouvre cette porte-là et on y va. En fait, on est la porte d'à côté, quoi. C'est le cas de dire, hein. Ah oui. Ah ouais, ça remet vraiment pas grand-chose des bananes, après on en a plein. Oh, attends. Mais non, attends, ça c'est... Ça, s'il y a un truc que ça n'existait pas avant, je crois. On peut l'utiliser, tu crois, ou pas? Ah, la voiture? Ouais, petite voiture, là. Non, on peut pas? On peut pas. J'aurais trop kiffé. Ah, j'aurais vraiment apprécié aussi, par contre. Oh, une aventure en voiture, ça aurait été trop bien. Raft en voiture. Ah ouais. Comme okay, ça, ça va nous permettre de ranger un peu, hein. Parce que là, reprendre... Ouais, j'ai pas grand-chose, de toute façon, mais ouais. Ah, moi, je suis bien full, hein. Reprends à manger si tu veux. Ouais. Ok, ouais, donc ça coûte pas grand chose. Hein, c'est comme les tuyaux à carburant en fait. C'est exactement la même chose. C'est pour transporter de l'eau. Effectivement, si tu regardes là-haut, il y a bien un truc pour relier l'eau. Mais par contre, du coup, je sais pas comment on lui renvoie de l'eau. De l'eau comme ça, quoi. Ça, je sais pas trop. À moins qu'on va avoir un purificateur auto et. Qu'on fasse oui, passer l'eau directement, chose, l'eau de mer là-dedans, je sais pas. Mmh. Peut-être qu'on a un truc qu'on n'a pas encore débloqué. Regarde là, là-dedans, dedans, si tu veux. Ouais. J'en ai pris en gros un gros là encore. T'inquiète, j'avais gardé un gros de ce mer. Je vais juste remanger un peu. Je vais ranger tout ça et du coup, on va aller explorer la petite ville. Ouais. Et on est reparti pour l'explo. Let's go. C'est parti. Ouais, c'est comme trop ça, bien. On est pile là où on était. Hop. Allez. Alors, bah écoute, on fait quoi? On fait quoi, toute chef? Toute la partie gauche. Toute la partie gauche, allez, je te suis. Ouais, on quadrille pour le moment, là, toute cette zone-là. Tac. Tac. Est-ce qu'on le défonce, lui? Moi, je follow tes calls. J'ai peur. Ah, mais c'est encore une carte d'accès de temps en garda. Je vais la prendre, mais bon, je sais pas s'il y a un grand intérêt à faire récupère, ça. Récupère, moi je follow tes calls. Donc là, il y a le et numéro 1 ici. C'est la carte de Tangarda. Hop là. Waouh. C'est Tangarda ou Tangaroa? Ah, c'est Tangaroa. Ouais, hein. Bon, peut-être, je sais pas trop. Hein. Alors, ouais, là, si je me souviens bien, ça ah, va devenir. Là, ça est-ce va devenir une sacrée histoire. Zone avant de quoi? Non, non, mais c'est bien ce que tu fais, hein. Mais juste, bah, tu vas comprendre. De toute façon, t'as pas trop le choix des étages. Ce que tu vas comprendre. Tu vas comprendre que c'est une zone. Ben, il y a beaucoup de bâtiments à looter, quoi, c'est tout. Mais non. Ben, si. C'est très beau, hein. Ouais. Je vais prendre la porte entrouverte. Oh ! Mais dis donc, il y en a qui ont du goût, hein. Oh, un jeton de distributeur, je viens de ramasser. Ah, moi, je me ramasse un rat dans ma suite. Ah, ben, apparemment, on n'a pas tous les mêmes choses. J'ai eu une cisaille. On n'a effectivement pas les mêmes choses, a priori. Ah, tiens. Tiens. Ah, oui, effectivement. Tiens. Ouais. J'ai vu ça, moi. Ah, merde. Oh. Ah, d'accord. Oh. Elle a tellement des goûts de luxe qu'elle me balance les restes, en fait, une fois que là. Ah, j'ai encore eu une pièce de distributeur. Ah, j'ai eu un ruban adhésif. Donc, effectivement, on va avoir nos trois rubans adhésifs, je pense, dans les... Eh, moi, j'ai un dans truc que suites. Je dois couper à la machette. Ah, j'arrive. Ah, mais tu l'as aussi? Ou elle est cassée? Oui, là, je l'ai. Bah, vas-y. J'avoue, je vais économiser la machette, là, parce que moi... Ah, bah, ruban adhésif. Bah tiens. Il nous manque un ruban adhésif et si jamais on pourra retourner au sous-sol pour vérifier ce qu'on a laissé et ensuite d'accord. On pourra finir les étages comme ça. C'est des gens qui avaient du goût. Hein. Je sais pas s'ils sont morts, enfin je sais pas comment ils ont fini. Oh non. Ouais, non. Ouais. Non. Je sais pas comment faire les bâtiments là. En fait, oui, il va y avoir des... Non, save toutes les deux secondes je pense. Il va y avoir des jumps pour aller à d'autres étages qui vont nous mener encore à d'autres étages. Il y a d'autres étages. Encore un jeton de distrib, tu l'as raté celui-là. Ah oui, effectivement. Mais je te les laisse, je sais que t'aimes bien l'argent, tout ça. Oh, dis donc. Je sais que t'es proche de tes sous, donc tiens, Picsou. Garde ta thune. Je me souviens la première fois, par contre, qu'on avait exploré cette zone-là, on était tellement en mode oh, l'émerveillement, genre c'était incroyable. Ah, c'est fait, magnifique. C'est bah là, dis-toi, je suis monté. De là où je suis monté, je peux sauter sur un autre bâtiment et donc ouvrir une autre porte, etc. quoi. Il y a une porte entrouverte là où je suis, là. Hop. Tu dois être là où je suis. Attends, tu saoules parce que là, tu m'attends pas. Là, tu fais ton Spider-Man, là.
Là, okay, je, tu bon, me vois, tu me vois en dessous. Voilà. Tu m'as vu là? Ouais. Là, là, reviens, reviens, reviens. Ah, oui, je t'ai vu, mais je ne savais pas si c'était une erreur de ta part ou pas. Non, non, non. Mais par contre. Ok, ouais, trop bien. Parfait. Non, bah, c'est parfait. Ça y est, j'ai un autre ruban adhésif si jamais. Mais tu vois, là, ouais. En fait, on passe d'un bâtiment à un autre et du coup, on peut peut-être aller à des endroits où on n'aurait pas pu aller autrement. On va voir les fameux jetons de distributeur qui vont nous servir dans un distributeur plus tard. Il en faut combien, tu sais? Là, j'en ai 5. En gros, je sais pas, parce que c'est juste, ça dépendra de ce qu'on voudra dedans. D'accord. Voilà, et là, t'as l'ascenseur, mais du coup, je sais pas si les étages, on y avait accès, si on avait pris juste le bâtiment de manière normale. Prends les jetons, hein, si tu les vois. Mais tu sais que les jetons, je pense que je sais pas à quoi ils ressemblent, parce que j'en ai pas pris un seul. Sérieux. C'est une pièce. Quand tu regardes, ça fait vraiment une pièce. J'ai dû passer à côté de plein, je pense. Mais non. Bah non, mais je sais pas, parce que j'ai pas fait gaffe qu'il y avait des jetons. Ah, ça, ça s'ouvre aussi, j'avoue que j'ai pas ouvert. Ah, mais toi non plus, t'as pas ouvert. Bravo. J'ai pas tout... En fait, je me dis que c'est tellement grand que j'essaie d'aller un petit peu vite, mais un petit peu trop. Ouais, ouais. Vite. Oh là, côté, viens, viens. Viens, viens. Il y a une tyrolienne. Ah non, c'est mauvais. Ah oh, si. Attends, parce qu'on a tous attends, les. On a des dingueries en plus, hein. Ah, on a 5 jetons quand même. On a tous les rubans adhésifs, hein, si jamais. Hein. Oui, regarde là. Et maintenant? On pète. Non, non, on pète. Qu'est-ce qui... Oh, oh, faut pas faire comme moi. I'm okay! Merde. Je sais pas si vous j'aille là-bas. Ah, de toute oui, façon, je peux re-rentrer dans le bâtiment si jamais. Ouais, je pense. Je pense, je pense. Ah, un jeton! Ah bah voilà, tu vois à quoi ça ressemble. T'as vu, c'est vraiment une pièce, hein. Bah oui, bah je me doutais, mais je sais pas, je les ai pas vus. J'ai encore un ruban, j'ai vraiment envie d'aller en bas et de revenir plus tard. Vas-y, hein. Oh non. T'es tombé? Non. Eh ben. Non, non, quand même. Respecte-moi un peu, quoi. Je viens de bait un rat, je l'ai enfermé dans ma pièce pour aller louper le reste. Oui, bon, pas... j'avoue que c'était pas non plus un truc incroyable, mais c'était marrant. Vas-y, je t'attends devant la cage d'escalier. Petit jeton. Petit jeton. Ouais, un jeton. J'en ai plein là, des jetons. Je pense que je vais prendre l'ascenseur, je vais descendre. C'est là où il y avait le rat, par contre. Viens ici, le rat. Attends, je crois que je suis perdu. Bon, je prends l'ascenseur, moi je descends et tu sais quoi, je retourne vers là où on doit aller pour. Au sous-sol, tu sais. Avec tu sais la... que toi t'auras le temps de retourner alors que avec moi je suis pas encore. En gros, va à l'entrée du radeau, c'est simple. Ah oui, bah déjà, je crois que j'ai fait en fait le mauvais sens. Du coup, je fais le tour du dôme actuellement. Bah, au moins tu visites. Il faut toujours voir le bon côté des choses. Oui, la visite avant tout. Pas te mentir, moi non plus, je sais plus trop où c'était, mais... De toute façon, tant que c'est pas ouvert, c'est que c'est pas là. Bah, moi, ce qui est moche, c'est que je me suis dit, ah, ça je connais, c'est forcément par là. Ah, et c'était oui. Pas le cas. Ah, mais voilà, on fait la petite visite, il y a un grand bâtiment principal... Petit bâtiment par-ci par-là. Il y a oh une bah entrée notre bateau, ici. Il, doit être là, du coup. Il y a la statue okay. Ici, donc je pense que le bateau est là. Je pense que j'y suis. Ouais, le bateau est là, donc c'est là où je suis. Il faut descendre. T'y es ou pas? J'arrive, attends-moi. Tu me vois pas? J'arrive là. Si, je te vois. Tiens, on y va. C'est arrêté. Oui, pardon, excuse-moi. Attends, let's go. Oh, c'est tous ces rats dans le jeu, ça me rend parano, moi. C'est vrai qu'il y en a pas mal, par contre. Hein. Ah ouais. Alors, attends. Ça va, après, ils ont pas une tête non plus horrible, horrible. Non, bon, bah après, t'as pas trop envie de... Ah, c'est là-bas. J'essaie de taper pour autant. Vas-y. J'entends un truc s'ouvrir à droite derrière nous. Je crois que c'est là-bas à droite, mais... Ouais. C'est pas cette ça porte qui était fermée, là? T'as peut-être... Si, parce que... Oh! Et donc... Elevator, c'est fermé. Ça, c'est fermé. Ça va être là où je suis. Mais attends, mais... Alors, ça fait mal? Un petit peu. Ça pique?
Ah, ça picote un peu. C'est hein. Là-bas, en face, y a on l'a pas looté, donc... Ah non, me dis pas qu'il faut du scotch parce que je vais péter un câble. Hein. Allez, trois urbains adhésifs, j'en peux plus. Non, c'est vrai? Ouais. En fait, on aurait dû revenir quand on en avait plus, là. En fait. Je suis désolé, je me souviens vraiment pas de ce truc-là, du coup. Je voulais vraiment finir en me disant, on a fait tout le sous-sol, on fait l'étage maintenant, mais en fait, bah, je suis désolé, je me suis fait revenir trop tôt. Mais surtout que je crois qu'on en a... Tu sais qu'on en a deux d'avance, hein. Il nous en manque qu'un, non? Ouais, mais on va attendre d'en avoir plein, je pense. Hein. Parce que si t'as une autre porte qui s'ouvre, et que ça redemande du ruban... Ouais. Oh là là, je timing mal. Hein. Vas-y, je te follow. C'est complètement un truc de bouffe... Il va avoir à manger là-dedans. Attends, mais je crois que c'est complètement fermé. Ah ouais? Ah ouais? Ça a effectivement l'air. Alors, si jamais. Viens là où je suis à côté du burger. J'arrive. Si jamais c'est ici où tu mets tes pièces, regarde. Donc avec tu les pièges, tu peux avoir à manger. Attends, avant d'acheter n'importe quoi, parce que regarde ce qu'il y a au début. Un piano. Ah, il y a la machette aussi. Il y a un sac, il y a des trucs. Donc il y a du stuff, mais il y a aussi un piano. Il y a des plantes là-bas. Et là, il y a des tableaux. Oh, les tableaux, j'en ai un peu rien à foutre. Hein. Ah ouais, je pensais que tu voudrais un peu, tu vois. Et ça, la porte est verrouillée de l'autre côté, si jamais, de cette tour-là. Ah. Donc ça, sera pour plus tard. Oh là, quand tu lèves la tête... Ouais, c'est grand, hein. Ça donne le vertige. Ah mince. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié d'enlever. Ok, on fait quoi? Les bâtiments droite, on continue de toute façon. Attends, le monsieur avec la cloche dans la main, il a rien? Déjà, il y avait une note à ce qui est. Oh, je sais pas, fou gaffe. Ah, je croyais que tu parlais du robot de base, en fait. Non, non, la grosse statue. Attends, t'es parti par où? Je fais les bâtiments de droite, mais en fait, je suis remonté, je fais tout un tour pour rien, là. Je vais pas te mentir, je suis en train de faire tout le tour du bâtiment. Je suis avec toi. Okay. Elle est où l'entrée? En fait, si on peut pas aller dans ce bâtiment, là, si, il y a une tiro. Ah, oh, mais c'est pas possible! Bon, vas-y, laisse tomber. Ah non, c'est le sous-sol. J'ai pas trouvé l'entrée, je suis nul. J'ai pas trouvé l'entrée? Non. Attends, peut-être par là? Après, je pense qu'il y a des bâtiments. Peut-être c'est fait exprès. Il faut y aller, tu sais, par des tiros et compagnie. Parce que là, par exemple, il y a une entrée, mais il y a une notice qui card reader machin. On va ouvrir ici, par exemple. Ah, et là-bas, peut-être. Si, ici, il y a une entrée. Ok, moi j'ai une entrée là où je suis. Ok, je vais te rejoindre. Ouais, d'un tiro à l'autre. Hop. Bien joué ça. I'm ok. J'ai récupéré une caisse, hein, si jamais il y avait du loot. Il y avait du loot. C'est bien le tiro à l'autre, mais. J'ai cru que c'était toi en bas, mais non. Moi, je suis tombée, je me suis éclatée. Ça va? T'es pas morte? Oui, ça va. Non, non. Ah, je te vois. Pas tu très vois, loin. Je me balade dans les rues. Je suis juste au-dessus de toi. Ah ouais? Bah, je vais descendre, hein, je pense. Il n'y a plus rien non plus. Hein. Ah, t'es quoi? Hein. À être en bas. Retournons avec le ruban adhésif qu'on a eu. MDR. Allons-y pour ouvrir une autre porte qui nécessitera du ruban adhésif. Oh, je viens de boire des petits trucs. J'ai tellement d'eau là. Ah ouais? Je suis tellement full en eau. Et c'est bien gavé. Hein. Ah oui, oui. Oui, totalement. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Là, là, ouais. Alors, sachant non, que. Mais... La zone où on est. Non, déjà, c'est grand, je sais même pas. Ah, c'était là-bas, toi. C'est des bureaux. Ah oui, j'ai été de ce côté tout à l'heure. Sachant que. Il est où l'ascenseur? Il y avait un étage 14, donc 14. C'est le plus haut qu'on ait jusqu'à présent. Peut-être qu'il y a matière à aller explorer ça, quoi. À explorer ici, là, les bureaux? Ouais, les bureaux, ouais. Vas-y, ah, moi je remonte, les... je suis à l'ascenseur. Putain. Oui, il y avait un rat aussi que j'avais enfermé dans pas une me pièce. Le dire, ça, peut-être. Bah, ça confirme que je suis bien passé là-bas. Ah putain. Je t'attends à l'ascenseur. Ouais, bah je pense que là, ouais, c'est un accès. Hein. C'est cassé, ça. Bien. Hop. T'accroupis. Tu longes bien le bord. Ouais. Waouh. Mais dis donc. Coup, après, je sais pas si ça sert à quelque chose. On peut tourner là-dessus? Non. Oh là. Une caisse avec des charnières à l'intérieur et de la ferraille. Ouais. Y'a pas un accès d'ici? C'est bizarre de pouvoir venir là, sachant que c'est un bâtiment qui est haut. En fait, tu vois, regarde la tiro là, il faudra aller sur ce bat là. Ah, pour la tiro du bâtiment central.
Regarde, après, il y a une grande échelle. Et après, une grande échelle. Donc en fait, l'objectif, c'est ce bâtiment. Comment on le repère pour quand on sera en bas? On peut pas le ranger? Ah! Et pour aller dans ce bâtiment, t'as la... En fait, je pense que c'est ça. T'as vu? T'as un J'ai peur. bâtiment... Quoi? J'ai peur. T'as un bâtiment un peu à droite, où il y a une tireau qui te met sur le bâtiment à gauche qui fait angle. Du bâtiment à gauche qui fait angle, ensuite tu remontes et t'as la tireau qui t'amène au bâtiment central. Je pense que ça va être tout un cycle comme ça à faire de bâtiment en bâtiment pour aller au centre. Ouais, bah t'écoutes, c'est quoi, tu géreras le truc, hein, tu m'expliqueras sur le chemin. Non mais... Bah Pas vas-y, on y va, hein. d'ici. Attends, je fais une save. Ah mais non, parce que là si je meurs en vrai... Ouais non, c'est un bordel ça. C'est très con. Après je pense qu'à tout moment... Je descends, je vais aller chercher des trucs avec les rubans adhésifs en attendant. Ah bah attends-moi, par contre, te fous pas de ma gueule. Je peux descendre et être accroché de toute façon Ouais, aux parois. ah ouais, c'est Spider-Man le Ok, bail. donc c'est ce truc-là où il faudra aller, c'est ce bâtiment-là qui nous intéresse. Alors, comment je le repère? Ce bâtiment. C'est Main Street. Ah, mais c'est celui où il y avait le truc en bas, là où on pouvait pas accéder. Ah, mais en fait, on peut Et déjà où? aller au bâtiment. Ok, c'est juste en face du... Ah, mais les cartes d'accès de Tanga, machin, on les utilise, on les consomme à chaque fois. Ok, donc il faut tuer le robot, là. Ah! Faut tuer un robot, casser ça, et c'est juste en Eh face ben, il du faut. barbeur, je crois. Là, je suis à C'est l'ancienne géré. porte, par là où on est rentré, tu sais, dans le genre de tunnel. Ah, t'as une Je sais pas carte? où. Ok. Attends. Le Je genre de récupère une autre carte. tunnel. Ouais. Mais de toute manière, au pire des cas, j'ouvre juste ici, on va faire d'abord le sous-sol et ensuite on revient là-haut. Ce Ok. sera le numéro 2. La porte, c'est la porte du... C'est la porte 2, c'est en face du barbeur qui est le numéro 1, si jamais. On n'a pas une map quand on appuie sur... Pas de map hein, ici, j'ai l'impression. Bon bah je t'attends à l'entrée de là où tu veux qu'on aille après là. Ouais, vas-y, j'arrive. Et c'est juste en face. De toute façon je t'attends. Comme ça, tu m'attends. C'est toi qui mets le scotch. Ouais. Ça a ouvert ton côté? Ouais. Une porte. Pas celle où c'est écrit Elevator, mais une autre. Oui, bah je pense que on va l'ouvrir l'autre, mais on a assez. Réparé. Hein? Réparé encore. C'est bon, c'est réparé. Ah ouais? Ouais, Ouais. l'élévateur peut-être. Attends, regarde ton côté, c'était pas autre chose à récupérer. Ah mais Spider-Man attends, peut mais faire des frais. ça y est, on peut courir dans l'eau. Oh. T'as réparé? Ah, oh, bien joué. Oui. Et je pense que ça a dû ouvrir ouais, l'élévateur, j'espère. Bah là, c'est forcément l'élévator. Hein. Je pense, hein. Sinon, moi, je fais l'Alt F4. Hein. Ouais, élévateur. Élévateur. Ok. Elevator. Oh, purificateur. Ah, mais c'est ça! Purificateur électrique. Alors attends, je vais quand même prendre le plan. Tu veux pas prendre le plan? Hein? Il y a un plan par terre de purificateur électrique. Ok. Ah oh, non. Attends, Peux attends, non attends. plus, hein. J'ai un souci, je vais boire, je vais en profiter. Ouais. Il est où? Prends-le au cas où. Là, je l'ai. Normalement, c'est bon tant qu'on l'a, mais tant que je l'ai pas appris, je préfère quand même le ramener au cas où, juste. On sait jamais, Ouais. il faut que. Et ça, comment ça s'ouvre? Donc purificateur électrique, accessoirement, c'est peut-être, on verra bien, parce que je me souviens pas l'avoir utilisé dans ma partie moi à l'époque. Ok, mais élévator, après c'est fini, en fait c'est juste pour remonter et c'est tout. C'est juste pour ce plan, je pense, hein, de toute façon. Ok. Potentiellement, je pense que c'est ça qui va nous permettre donc de purifier, voire de manière électrique, comme c'est noté. Oh! Ah nice. C'est Ah, quoi peut-être moins qu'on aura un 4? accès. Bah mon 4, c'est là où on est. Ah bah c'est là où Regarde, on on est. est déjà au moins 4. Et on va monter au 8. Peut-être que ça va nous donner l'accès en Vas-y. 8. Vas-y, vas-y. Mais ouais, non, On le va faire le boss. purificateur électrique, je disais, je pense que c'est ça qui nous manquait, c'est pour pouvoir, bah, en gros, purifier donc électriquement l'eau et ensuite avoir les trucs, les tuyaux hydrauliques pour aller directement dans les arroseurs automatiques, tu vois. Ça c'est Comme ça cool. automatise tout. Tout ce qu'il nous faut, c'est du carburant en fait. Par contre, ça va consommer plus de carburant. Ce qu'il en faut pour les moteurs, il en faut pour le chargeur de batterie et il en faudra pour le truc électrique, quoi, là aussi. Donc, ça commencera à faire Oh beaucoup. là, ça monte ici. Commencera à faire un petit peu beaucoup. Fenêtre. Nickel. Nous Ah, on n'est permet pas de très loin. Eh, mais remonter. attends, on est au bon bâtiment, je crois. Ah non, ouais, si, regarde.
On prend la tiro à droite. Regarde, t'as raison. Oh là là. Et on prend cette tiro. Into fenêtre. Into fail peut-être. Oh, non, arrête, ça m'a fait peur. Oh, piano. Ouais, il y a un rat. Mais le piano, tu voudras qu'on l'achète ou pas? Ouais. Okay. Il y a de la thune dans le piano. C'est vrai? Ouais. Ah, je l'ai récupéré. Incroyable. Attends, elle la voit la thune. Hein. Me... Ah bah la thune, elle la voit de loin, je te le dis. La thune. Ok, il y a un escalier si jamais là où je suis. Tu veux vraiment le tuer? Moi je bute un rat là. Tu sais qu'on a plus trop de duras sur les armes et tout. Hein. Moi je les tue plus. Ouais, mais moi il m'a fait mal en plus. Bah monte. Et où? Mais sur le piano. Mais non, mais ah, mais c'est bon, t'as l'escalier. Ok, ok, mais c'est bon. Monte, monte. Ah non, non, non. Ah non. Mais t'as, mais t'es mal au rat, il m'énerve là. Je vais mettre du baume. Ça heal beaucoup ou pas? Attends, je vais voir. Ah oui. Ah oui. Ça te met genre full? Quasi full. Ok. Et t'avais perdu vraiment beaucoup? Je pense que oui. Il me restait franchement un quart, c'est tout. Ok. Bah donc ça remet à peu près à les midlife, on va dire. Ok, et ici, regarde. Allez, c'est là. Attends, il y a de la thune peut-être. Il faut qu'on ait assez d'argent pour acheter notre piano. Hein. Mais on a déjà assez. Hein. On a 17, ça coûte 8. Bon, bien bah sûr qu'on a assez. Bon. Allez, viens. Ne faille pas là-dessus. Hein. Ouais, je respire, je respire, je respire. Sauvegarde. Allez, vas-y, je sauvegarde. Allez, je monte. Alors, ouais, on peut monter. On peut, je pense, descendre aussi, faire le tour. Je sais pas. Il n'y a pas intérêt à se gourer là. Si tu veux commencer par monter, on va monter. Ah ouais, moi je par monte, contre, c'est le genre d'endroit où je sais pas descendre les échelles, je crois, dans ce genre de jeu. Bah, bah si, tiens, j'ai réussi. Bah tiens. Oui, t'as vu, ça te fait une sorte d'aller-retour un peu chelou. Je voulais pas descendre de base. Waouh. Regarde là, elle est en train de speedrun. Non. J'ai vu deux planches, je suis en mode waouh. Direct, 0, okay. 1, 2. Là, on est au 1. Ouais. Au 2. Vas-y. 0, c'est quoi, du coup? Ah, c'est peut-être juste bah, en c'est bas. C'est le rez-de-chaussée. Oh, emergency bridge launch. Oh non, il y a un code. Il y a un papier. Attends. Il y a, une, y a un gros stockage. Je me souvenais pas qu'il y avait des gros stockages non plus dans le jeu. Oh non. Bah oui. Ta map. Fait T. Il y a un gros stockage. Oui, T. Gros stockage. On a le plan du gros stockage. Je savais même pas qu'il y en avait dans le jeu. Je savais même pas qu'il y avait des Ils sont où les gros stockages? Ah on l'a pas encore fait. Okay. On a le plan. je veux pas écouter là. Ah oui, je comprends bien. Contre, là, on a un code à 1, 2, 3, 3 chiffres. Voilà, j'ai ouvert, c'est fait. Attends, quoi? Quoi? Comment t'as ouvert? Je sais pas. Non mais j'en sais rien, je pense que c'est pas ça la solution, c'était juste ouvert. Hein. Bah non. Je pense pas. Regarde, bah. Ça fait rien, il se passe rien. C'était juste ouvert. Enfin, j'ai juste appuyé sur utiliser. Ah, la porte était ouverte et ce truc, c'est pour autre chose, oui. Tu crois? Ah oui. Ah, ok, tu m'as fait peur. Je me suis dit, elle a speedrun un truc, là. Mais comment elle a fait ça? Il y a combien? 3 ou 4 chiffres? 3. Et quand tu fais T, il y a... T'as vu un truc avec des ciseaux, des burgers et tout, là? C'est quoi, cette merde? Oui. Me dis pas que c'est une énigme. Non, c'est... J'aime pas les énigmes. Non, c'est 4 chiffres. Ah, 4 chiffres? Parce qu'en fait, tu mets 3 chiffres et quand tu mets le dernier, c'est là où ça fait l'erreur. Donc, oui, c'est 4 chiffres. En fait, ça va peut-être nous faire descendre l'échelle qui est en face de nous. Attends, mais du coup, est-ce que d'ici on peut redescendre et ouvrir la porte tout en bas pour revenir justement une fois qu'on aura trouvé le code? J'arrive. Vas-y, on va à l'étage 0. Vas-y. Parce que tu sais, il y avait une porte qui était fermée tout en bas. Et comme ça, là, en passant, on peut s'acheter le piano et on retourne vite fait au radeau. C'est important. Oh ! Quoi ? Une note ? Je sais pas, une... Ça, on peut aller voir les plans aussi, tu sais, qu'on doit apprendre en même temps. J'écoute ce qu'il dit parce que ça se trouve, il parle d'un truc. D'accord, ah, c'est là ! Mais voilà, on peut acheter le piano. Attends, j'appuie. Tadam ! Vas-y, prends-le. Place. Attends, tu vas acheter autre chose ou pas? Attends. Qu'est-ce qu'on n'a pas... Qu'est-ce qu'on peut pas avoir aussi surtout facilement? En fait, ce serait plus de la déco. Au pire, toi, t'aimes pas la déco là-bas? Si, là, les plantes, elles sont trop belles. Bah, les codes, tu peux en prendre. Ouais, mais les plantes, on peut pas les avoir, celles-là. Si. Ou on peut.
Prends une plante hein, si tu veux, ou prends des plantes. Prends ce que tu veux, écoute. Par contre, moi j'ai plus de place, je te le dis. Bah ouais, moi non plus. Bah de toute façon, on reviendra au pire pour acheter. Ouais, c'est à côté. Vas-y, on retourne au radeau vite fait. Là, c'est la merde. Bah oui, non, t'as appuyé sur T et tu m'as dit qu'il y avait un truc. Oui. Mais voir une énigme, c'est quelque chose. Après, résoudre l'énigme, c'est autre chose. Hein. Bah je te le dis, moi je m'en souviens. Donc je vais te laisser chercher toi. Donc. Après, t'as tous les éléments déjà. Oh, par contre, lui, il t'a pas loupé. Mais oui, c'est pas possible. Ah, mais moi non plus, d'ailleurs. Je me suis dit que je risquais rien. Alors, juste, on va apprendre. Normalement, on a. Donc, voilà, c'est ça, le gros stockage. Alors, j'ai quand même envie d'en faire un par curiosité pour voir. Pour voir jusqu'à combien on peut stocker avec. Et on a un purificateur, donc électrique. À voir, hein, du coup. On va faire aussi. Ok. Du coup, on teste quoi en premier? Le piano. Le piano? Vas-y. Oh, je veux jouer de la musique. Assieds-toi. Vas-y. C'est parti. Spacebar, lower octave, height. Ok, j'y vais. Incroyable. Je l'ai vu se lever instant. Comment tu joues? Ah, d'accord, ok. Mais je vois pas, t'es devant. Comment tu veux que je joue ma partie? Excuse-moi, je ne savais pas. C'est juste que j'ai le son un peu faible du piano. C'est parti. T'es prêt? Ouais. Putain, ça part pas. Ok, incroyable. Alors du coup... Non. C'est parti. C'est si beau. C'est vrai? Alors, ouais, incroyable. Vas-y, essaye alors, de le faire. Non mais moi, je suis tout naze hein, à ce genre mais de truc. Mais c'est bon, t'es plus rapide parce que... Toi, tu fous ma gueule, là, tu le fais? Non, alors attends, c'est quoi les chiffres, du coup? 7, 6, 7... Ok, 7, 6, 7, 3, 5. Ah, j'ai déconné, là. Tu peux faire shift pour avoir une octave plus haute ou je sais pas quoi? Ouais, moi, j'y connais rien après en musique, là. Moi non plus, mais... Ok, mais c'est pas mal qu'ils aient mis des trucs comme ça. Donc, avec la petite partition et tout pour simplifier tout ça. Ici, on a un gros stockage. Viens voir. Ah mince, il traverse un peu. Non, je vais mettre une note de un fond de musique pendant que tu présentais. Ah ouais, il se... Okay. Regarde. What the fuck? Ah ouais, l'espace de stockage est incroyable. Hein. Eh ben. Là-dedans, on peut ranger. Donc mais c'est le double, c'est tu m'as dit celui-là que l'autre, pour toi? Oui. Ok. Ah, sachant que ça, j'aurais dû faire la même chose, c'est le truc de... Bon, après, c'est que la peinture, ça coûte pas trop cher, donc si on s'en fout un peu plus. Mais j'aurais dû mettre aussi vers le centre avec un trou pour sécuriser si le requin le casse. D'ailleurs, je dis ça, est-ce que... Bah tiens, tout bêtement, est-ce que je peux le mettre dans le même trou? Je peux tester. Ah, ce serait trop bien. Ah bah oui, bah voilà. Oh, bah là, c'est bon. Bah comme ça, ça sécurise un peu. Et là, on a un petit aspirateur. Alors, regarde. Alors, c'est un peu moche ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. En gros, petit aspirateur, tu mets la petite batterie là, et là, regarde, touk touk touk. Ça aspire la flotte? Alors, normalement, ça aspire l'eau, et normalement... L'aspirateur tombe en rade, là, dans ce type de situation. Normalement, c'est un purificateur électrique, donc il est censé purifier l'eau en même temps. Ce qui veut dire que là, regarde, on a le niveau de l'eau, il monte. Ah oui! Attends, c'est toi qui l'as utilisé ou pas? Non, j'ai rien touché. Ok. Le niveau de l'eau qui monte, est-ce qu'avec une bouteille, on peut remplir la bouteille d'eau douce directement là-dedans, du coup, ça marche? Donc on n'a même plus besoin de remplir la bouteille avec les trucs et tout, donc on peut directement récupérer l'eau douce là-dedans. Le seul truc, c'est qu'il faut recharger la batterie. Alors ça marche pas directement avec le carburant, ça marche donc à batterie, et la batterie, on pourra la recharger avec le... Donc indirectement, oui, ça marche aussi avec le carburant, parce qu'on recharge la batterie avec le carburant. Mais voilà, donc là, l'eau douce, ça monte, tu peux remplir ta bouteille pour boire, mais là, pour l'instant, pourquoi, en fait, ça redescend? Parce que... Tiens, voilà. Parce que j'ai relié ici, hydrauliquement parlant, à l'arroseur qui est là. D'accord. Et à l'autre arroseur. Ah tiens, on peut monter en plus. À l'autre arroseur de ce côté. Donc vu qu'ils étaient pas full, en fait là c'est en train de les mettre full. Et maintenant qu'ils sont full, logiquement ça devrait. Là ça devrait monter le niveau de l'eau et ça devrait plus descendre. En théorie. Ouais, tu vois là ça monte. Parce que là ils sont full. Donc voilà, on a vraiment. Je crois que même sur ma partie de la dernière fois, j'avais pas autant. On avait pas fait. Je crois qu'on avait pas testé ça justement.
Donc là, officiellement, dès qu'on finit cette zone et il n'y en a plus pour très longtemps, et eh ben, ce sera de la full découverte pour ma part. Allez, let's go. Mais là, à la fin, bah, je vais te laisser réfléchir dessus parce que je me souviens vraiment là, de ce qu'il faut faire par contre. Donc, j'ai regardé et je pense avoir compris. Hop. Ok, on va voir ça. Je vais t'accompagner. On va voir direct, c'est un cours, arrête, ça me stresse. Okay. Bon, on va voir si t'as compris. Non, mais du parce tout. Que, non, mais du tout. Bah, en vrai, une fois qu'on a la solution, c'est simple. Tu dis, ah ouais, c'était trop simple et tout. Mais tant que tu l'as pas, t'es en mode, bah, tu cherches et je sais qu'on avait un petit peu galéré dessus au début, tu vois. Donc, en fait, j'expose mon idée. C'est surtout le burger qui m'a parlé, tu vois. Il y a une image de burger, l'extérieur lane. Et en fait, je me dis, c'est, ça se trouve, la zone où il y a le burger. Après, ouais. Bazar, ça se trouve, il y a un coiffeur, etc., etc. Il y a peut-être des chiffres sur ces endroits, tu vois. Ouais. Donc, on va se diriger vers le burger. Et c'est quoi les noms, alors, qu'il y a devant? Ah. Attends, je regarde. Le premier, c'est... Tranquille... Sainte, je crois. Strix, peut-être. Ouais, peut-être, c'est plus... Ouais. Ah ouais, peut-être. Non, mais oui, t'as bon, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Allez! Ah, vas-y, allez. Si tu te souviens du code, on y va. Ah non, je me souviens pas du code. Hein. Ah, non, mais tu vas aller les chercher, en plus, maintenant. Eh oh, arrête de faire la flemmarde, hein. On est quand même là pour... t'es là pour découvrir, hein. T'es pas là pour... tu vas retenir. 8? Et c'est quel numéro? C'est le combien? C'est le 2, deuxième position. Ok, donc ça fera 8 en deuxième position. Allons-y, oui. On continue. Je continue. C'est trop cool. Ensuite. Si je me dirige par là, si il y a un nouveau magasin. Un nouveau magasin. Où c'est écrit... Ah, c'est un truc... Oh, le barbeur. 4. Et t'as vu les... Ici, c'est Tranquille Street, par exemple. Ah, attends. Ouais. Attends, les panneaux. Dégage-moi ce robot, là, pour vérifier la street. Aïe. La street... Tiens, tu l'as pas vu! Ah, il m'a fait mal! Voilà. Récupère la carte au cas où on sait jamais. Donc, oui, normalement c'est tranquille. Ah non, bah non, le barbeur Lazare c'est pas. Street, là, c'est Ah non, mais c'est pas le barbeur. Le barbeur il est ailleurs. Lui c'est le. Ciseau, le arcade. Lui. Bah non, c'est le arcade lui. Regarde ah, mais le logo. Parce que c'est un logo de ciseau en haut. Bah non, regarde ça, celui ici de l'enseigne et pas celui qui est sur une affiche bah, oui, pour mais un. C'est où le logo arcade? Attendez, quelle rue là? Tranquille Street ou Partisan? C'est que cette merde. Alors là, on est Tranquille Street, du coup. Et tu vois bien le logo, la forme du logo du V Arcade, là. Tu vois bien la forme du logo. Regarde le premier. Ah oui, effectivement. Ça fait un genre de masque. Tu vois bien que donc c'est exactement c'est la même forme. 4, 8 pour le 4, moment. 8. Donc 48. Très bien. Alors ensuite. Parce qu'en fait, l'autre, c'est un panneau publicitaire pour le barbeur que t'as vu. C'était pas l'enseigne. Ah oh, bah c'est mal foutu leur truc, hein, je leur dirais. Partisan. En vrai, ça va dans les deux côtés. Ah, bah c'est là. Non, c'est pas là. Partisan. Oh, je crois que j'ai fait une connerie. Bof. Ça nous y mènera d'une manière ou d'une autre. Hein. Ah, je l'ai. Numéro 3. Ok, et ça, c'est le dernier. Et tu vois, au milieu, le logo, là, le donut, là, ou la bouée, eh ben, c'est ça. Donc le 3 on a dit. Ok, donc ça fait quoi en numéro? Alors ça fait 4, 8 et le dernier 3. Ok, incroyable. Maintenant partons tout simplement à Bazar, je sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de lire, mais on va y arriver. C'est le 1 ou le 2, je sais plus. C'est un ciseau. C'est le 1 ou le 2 je crois. Ah ouais? Bah parce que je t'ai dit tout à l'heure que j'étais en face du barbier et que c'était le numéro 1 ou le numéro 2, je sais plus si c'était le numéro en face, tu sais le numéro. Parce que j'y étais et que je t'avais dit que c'était par là qu'il fallait qu'on monte normalement. Ah oui. Attends, c'est par où? Pour d'une pipe en bois, par où c'est cette histoire? C'est là à gauche. Bazar resté. Je pense. Aïe! Comment ça, c'est là à gauche? Ouais, c'est derrière ça, là, je pense que. C'est là où j'étais d'ailleurs parce que je pensais que c'était ce bâtiment. Va au bâtiment central, j'arrive. C'est le 1, c'est ça. Ok, donc ça fait combien? Donc, c'est très simple, selon des calculs savants. 48, ça fait 13. 4, 8, 1. Oh, mais tu me laisses pas finir. Demande-tu. Oh, bah. Non, bah, ça. Eh ça, bah, ça va prendre l'ascenseur sans moi, j'étais sûr. Ça me gonfle. Tu fais une interro et. Oh, mais il rappuie sur le bouton, le saligo. Coucou. Ah. Eh non, t'as pas eu le temps. Oh, j'y vais. Allez, 4, vas-y. 8, 1, 3. Sors, vite.
Ça va nous péter à la gueule là le truc. Ouais, oh, la... c'est le principe. Oh attends, c'est quel taser qui est parti? Attends, je l'ai perdu. Il n'y a plus l'échelle. Attends, c'est oh, lui là-bas. Je suis tombé. C'est lui là-bas dans l'eau, je pense. Ok, je l'ai pas bien vu du coup. Je savais pas de quel côté il allait partir. Ouais, ah donc mais t'as là-bas, plus... ça fume, là, ça fume. Donc pour toi, c'était une échelle qui allait descendre. Bah, techniquement, t'avais raison, l'échelle est descendue. Mais elle quoi, est descendue, y allait dans elle, le truc. Elle est descendue dans l'eau. Mais ouais. Mais attends, oui, faut qu'on aille chercher notre bateau. C'est ah vrai. Bah oui, là. Ça aurait été une idée. C'est vrai, c'est pas bête ce que tu dis, maintenant que tu le dis. Attends, c'est pas compliqué. C'est là-bas. Ah, oh, faut remonter tout le dôme. C'est là-bas. Super. C'est là-bas. Elle parle vraiment comme... Attends, je confonds toujours les deux, là. C'est Dory. Dory, ça ne vient jamais de rien. C'est pas trop moi. Non, mais c'est vraiment comme Dory, t'es en mode... tu sais, le... Attends, c'est là, c'est là-bas, c'est là-bas. Genre... Ouais. J'ai trop c'est les mêmes trucs. Ah, mais c'est alors... si loin, par contre. Non, ça va, en sautant, ça passe. Ça te plaît d'être sur le dôme, du coup? C'est trop bien. Attends, mais le radeau, il était à gauche, là. Là, il est là. Bah oui, mais pourquoi je tu l'ai. Bah, je sais que tu l'as, on l'a depuis un moment. Comment ça, pourquoi tu vas là-bas? Bah, je vais au radeau. Si elle se prend la robe, le rebord, mais elle va même pas se prendre l'eau, elle. Ça va, moi, c'est... I'm okay. Bon, je plonge. Ok, et eh ben écoute, on amène le radeau là-bas et ça va être la fin de cette île, de cet écoute. Épisode. Et de cet épisode. Je prépare-toi à tout arrêter. Et c'est toi qui arrêtes en haut, hein. Moi, je lâche l'ancre. Très bien. C'est bon, là, je pense. Encore un petit peu. Trop tard. Il m'a foutu... Oh, mais j'ai inversé la pole. Oh, merde. Oh, j'ai fait plein de conneries. J'ai appuyé sur toutes les manivelles. Je pense. C'est pas grave. Allez, viens. Allez. Allez, oh, non, et là... Bien arrêté, hein. Et là, potentiellement... Bah ouais, on a touché, en fait, je crois, non? Non, mais je me suis bien arrêté, tu vois. Là, il va peut-être même y avoir une nouveauté que je ne connais pas. Puisque... Attends, attends, avant de plonger, viens, on va passer la nuit. Non, mais je vais pas, j'y vais pas. Hein. Viens, viens. On va passer la nuit quand même. Ah. Mais il va peut-être y avoir une nouveauté puisque moi j'avais pas la prochaine île, donc il y aura sûrement la prochaine île à partir d'ici et puis il y aura peut-être quelque chose que je connais pas. On va. Au fait. Allez, pourquoi c'est toujours moi qui dors dans le hamac? Tu viens, on y va? J'en ai marre de me faire piquer par les moustiques chaque nuit. Rien d'inverser au bout d'un moment. Mais on peut inverser si tu veux. Ah, déjà il y a un plan. Déjà on a un plan. Oh, un réservoir d'eau, ce qui veut dire qu'on va pouvoir stocker l'eau. Incroyable. Je suis un minerai de titane. En vrai, il faudrait que je cale du coup le réservoir d'eau à côté du... Oh, mais il me fait peur, elle, celle-là. Oh. Ah bah bonjour, Hélène. Bah, nouveau personnage, déjà. Ah bah ouais, elle est énervée, Hélène. Bon, oh, par contre, calme-toi tout de suite, hein. Mais ouais, je vais mettre le réservoir, je pense, à côté du purificateur électrique. Comme ça, ça va remplir déjà d'eau d'avance. Et je pense qu'on pourra aussi prendre. On va utiliser des bouteilles de là. Je sais pas, c'est vraiment utile parce que ça fait déjà un petit stockage le truc électrique. Donc, je sais pas. Voilà. Non, mais alors, moi, formidable, vous pouvez compter sur moi. Peut-être qu'on veut pas en fait, nous aussi. Bon, on a toujours pas la nouvelle zone donc. Un coffre, minerai de titane. Je crois qu'on peut aller au milieu, mais on va pas aller au milieu pour le moment, on fait le tour. Ouais. Mais quel bordel, dis donc! Ah, mais notre ado est si beau! Ah, il est trop beau, hein! Oh, oh! Ça brille un peu, non? Ah, mais c'est juste pour reparler. Hein. Mais ouais, c'est pour Hélène. Que c'est un truc de ouf, c'est récup ou quoi? Non, faut qu'on aille là, hein, je crois. Hein. Oh, elle m'emmerde à gueuler celle-là, là. Je vais en coller une, hein. Mais tu sais que je sais pas où on doit aller, hein. Mais tu sais que... Attends, moi je vais te dire, hein. En fait, enfin, peut-être qu'il y avait une échelle, non, à l'entrée. Il y avait pas moyen là, de monter encore. Il y a une échelle, et non, là... Non, mais là, c'est là où on est venu. Ça, c'est pour remonter. Mmh. Attends. C'est pas compliqué. Bah si, on peut quand même. Non, c'est sûr, on a le truc sous les yeux. Tu penses? Ah oui. Voire même, ça se trouve, il est là-haut. Fais le tour, bah, tu peux remonter. Ah bah voilà. C'est... Oui. Remonte dessus. Ouais, mais j'arrive pas à monter. J'ai pas l'impression qu'il y a un truc là. Après, ça peut être aussi sous l'eau. Hein. On n'a pas regardé sous l'eau. Hein. Pourquoi
déjà tu veux aller sous l'eau tout de suite. C'est comme chercher les problèmes, ça, c'est pareil. Pourquoi, hein. Pourquoi vouloir aller sous l'eau dans un jeu, où on est censé aller sous l'eau, quoi. Bah je l'ai, mais qu'est-ce qu'on est con. C'est terrifiant d'être aussi con, hein, je te dis. Hein. Ah, tu sais. Moi j'ai jamais eu mon bac, de toute façon. Je commence à avoir l'habitude. Hein. Regarde, là il y a un gros papier. J'avoue. Tellement. Après en vrai, il pouvait faire partie du décor, tu vois, en passant vite. Donc ça y est, on a la nouvelle zone. Varuna Point. Et ben voilà, et ben écoute, là ça me fait quelque chose, tu vois. Là je me dis. C'est vrai. Ah oui, là ça y est. Là ça y est, là je suis en mode stylé, stylé. On va voir à combien on est de Varuna. Hein. Ça se trouve, on n'est pas très loin, imagine. On y va. On y va. On est à 2 mètres. Vas-y, moi je suis chaud patate. Hein. Varuna. Nous voilà. Mais. 14, mais quel 90. Bouffeur de requin, j'en peux plus. Oui, tiens en là. Bah, en je vrai, buté. On. Il m'a énervé. Moi je l'ai buté. Il m'a énervé. Ah ouais, non, il m'a saoulé. Il sait pas combien ça coûte les réparations sur le bateau. 14,90. Ok. Oui, pardon, je suis un peu énervé. Dis-moi à combien on est. On est à 1800 mètres, comme d'habitude en fait. Allez, tout à droite. Ok, et eh ben écoute, ce sera du coup ce qui va marquer la fin de cet épisode. Riche en nostalgie pour le coup. Parce que ça, c'était la zone dont je me souvenais le plus, je pense, vu que c'était la dernière qu'on avait fait. Ouais. Et donc là, ouais, là, ça fait plaisir. Ça va être sympa. Je vais juste regarder, bah, tiens, juste avant. Puisqu'on a un plan, je rappelle. Allons quand même regarder, on a fait les choses proprement tout le long de ce nouveau let's play. Allez, 3 lingots de titane encore, corde, machin, et on verra. En tout cas, ce sera juste un réservoir d'eau, après c'est pas non plus le plus fou, sachant que lui il est déjà full, donc ouais. Mais bon, et on va voir la batterie, elle a pris... Ah ouais, ça l'a quand même usé un petit peu, hein, les petites batteries. Donc on va voir la recharge de batterie, est-ce que c'est rapide? Sachant qu'on a du carburant d'avance, puisque... Alors déjà, est-ce que ça suffit, là, ce qu'on a? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas? Il y en a un peu. Parce qu'on a du carburant en rab, mais on l'a pas mis dedans parce qu'on utilise des planches pour le moment, puisqu'on a quand même pas mal de planches d'avance et on alterne pour essayer de pas pomper tout notre carburant. Je suis pas sûr que ça se... Attends. Pas si ça se remplit vraiment ou pas. Peut-être le laisser plus longtemps. Peut-être mettre un peu plus de carburant. Je sais pas s'il y en a vraiment, vraiment assez. Hop. Pas facile d'être pianiste hein, quand même. Ah voilà, c'est juste qu'il n'y en avait pas assez. Hein. Okay. Là ça va marcher, on va voir. Attends, je vais rester à côté justement pour voir comment ça se remplit. Franchement, ça va se remplir assez vite. En plus, on peut mettre donc deux à la fois. Ouais. À voir si ça consomme beaucoup. Parce qu'il a dû remplir un petit peu à côté aussi, donc je sais pas. Ah, ça va. Allez, les amis, on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Si jamais il vous a plu, pensez à laisser le petit pouce bleu qui soutient la série. Merci à tous, les amis. À très bientôt.